un petit peu de matériel. Le problème, c'est que le peu d'espace qui est dans ces sacs, quand vous faites tourner la machine, non seulement c'est en bas d'un, c'est un tas en bas d'un sac, mais c'est un tas en bas d'un sac qui est continuellement compacté par la puissance du vortex. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une agitation, pour qu'il y ait une séparation, il faudrait qu'au moins les trims dans ce sac puissent aller en haut et en bas. Et la pire des choses, dans ce sac, il n'y a pas une séparation de agitation et tamis. Vous revenez, je fais du tamis, en faisant l'agitation, ce que je récupère, je le collecte dans mon sac, je le sépare plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait que ça, c'est vraiment un super handicap. J'ai essayé, on perd au moins 4 à 5 grammes à chaque passage, avec le 20 gallons.